Bonjour à tous et bienvenue chers amis Soto. On se retrouve pour le dernier épisode de la mini-série sur le reconditionnement. On est toujours dans notre centre de Nemours et aujourd'hui on va parler de plein de choses. On va parler de contrôle final, on va parler d'essais routiers, on va parler de préparation esthétique et enfin on va parler de shooting photo. Une fois les opérations de reconditionnement terminées, on vient vérifier si la voiture répond bien aux standards de qualité à Aramisauto que nous souhaitons, le plus élevé du marché, évidemment. Ce serait dommage d'avoir créé une anomalie sur un véhicule qui sort de reconditionnement. Pour cela, on commence toujours par un nouvel essai routier pour vérifier que tout est OK. Une fois qu'on est certain que la voiture correspond bien à nos standards, on l'envoie en préparation esthétique. Pour résumer, c'est la nettoyer de fond en comble. Intérieur, extérieur, des moteurs et lustrage si besoin avant l'ultime étape du process de reconditionnement, le laboratoire photo. En direct du labo photo, il y a trois étapes nécessaires au shooting. Le 360 extérieur pour recomposer une vue totale du véhicule. Un 360 intérieur, très important. Il faut bien que nos clients puissent se projeter à l'intérieur de leur voiture. Et enfin, nous prenons en photo les détails sur le véhicule, notamment les petites imperfections. Que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, les jantes, la carrosserie, etc. En clair, nous sommes transparents. Ça y est, c'est la fin de notre mini-série sur le reconditionnement. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver votre future voiture sur aramisauto.com. Et au passage, le reconditionnement chez nous n'a plus aucun secret pour vous.